Salut. Dis-le. Ça sent le pet. Parce qu'on a fait cuire du chou-fleur. C'est la recette aujourd'hui qu'on va faire. On va y amener une touche spéciale. Purée de chou-fleur. Purée de chou-fleur à l'ail noir. Mais pas purée de chou-fleur n'importe comment. Purée de chou-fleur keto. Oui. Ouais. Et pourquoi l'ail noir? Ben, tu me poses la question. Pourquoi l'ail noir? Ah, merci beaucoup. Mm-hmm. J'avais préparé mes questions. L'ail noir, c'est bon, puis ça goûte pas. Oui, il y a un goût d'ail, là, mais c'est plus comme le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique. Ouais. On va le montrer, ça ressemble à quoi. Puis les gens se posent comme question. Qu'est-ce qu'ils se posent comme question, les gens? Comment c'est fait, l'ail noir? Comment ça pousse, l'ail noir? Bien, l'ail noir, ça pousse pas. OK? C'est par l'effet de Maillard. Ouais. Je viens de l'apprendre. C'est que on met ça, tu peux le faire cuire pendant. Cuire, non. Il faut que ça soit entre 60 et 80 degrés, okay. À cuisson très lente, un peu comme dans un riz, rice cooker, à un cuiseur à riz, okay. À température de le garder pendant 3 semaines. Oh. Les gens pourraient être tentés de faire ça à la maison, mais votre maison est scrap après. Il n'y a aucun purificateur, ça va puer. Okay. Ça va puer. Ils en vendent sur Amazon, mais la beauté, c'est que nous autres, on le vend. Ils ne vendent pas l'ail sur Amazon. Ils vendent la machine qui est un cuiseur à riz. Là. Mais regardez comment c'est... On va ouvrir la poubelle. Comment c'est fait. Et il n'y a pas de date de péremption là-dessus. OK, c'est bon tout le temps. C'est bon tout le temps. Donc, c'est un peu comme un poireau. Et ça dure deux, trois semaines à se... Bon, lui, il n'y a pas mieux. L'ail noir, sur le site, on le vend déjà en gousse comme ça, on le vend aussi en purée, ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour la recette. C'est bon avec à peu près tout. C'est un condiment, dans le fond, un peu comme vous allez sortir vos pots de betterave ou de cornichons pour accompagner vos mets, mais c'est plus fancy un peu. Un petit peu. On va prendre une gousse, on peut l'écraser avec la fourchette, on va accompagner nos viandes. Je reviens parce qu'on est pauvre, on a juste un micro. On peut accompagner nos viandes avec ça. N'importe quel repas, ça va vraiment donner un petit punch de plus. Tiens, regarde. Il y a vraiment un petit fond de vinaigre balsamique, comme François disait, c'est délicieux. Ça ressemble à un poireau. Et non seulement ça, c'est que l'ail noir a été trouvé par erreur en 1999, imagine-toi. Ah, ça fait pas longtemps. Non, on pense que c'est millénaire, souvent, ces affaires-là. J'avais juste 15 ans. Ben oui. Il y avait 1 milliard de moins d'humains sur Terre. Oh. Oui, j'ai fait des recherches. Wow, bravo. On est combien en ce moment? Presque 8 milliards. Et bon, vous voyez? Là. Oui. On peut le montrer à l'écran. Ah, OK. Et voilà. Ça sent le vinaigre balsamique. Oui. Ça sent le caramel. On peut même en goûter un, là. Marilyn a toujours peur de sentir l'ail. Moi, je me lève la nuit pour brosser mes dents, tranche de vie. Un petit peu obsédée par l'hygiène buccale. C'est sûr, ça goûte un peu l'ail. Ouais, mais pas comme de l'ail. Non. Donc, c'est là ce qu'on va faire. On l'a en purée. OK? Donc, c'est encore plus simple. Là. Il est en purée. Bon, ça sent l'ail caramélisé. Ouais, OK? Mais ça va sentir bon. Donc, là, ce qu'on va faire, j'ai fait cuire le chou-fleur avant. Je l'ai fait vapeur. Ouais, Parce que à la limite, on peut le faire bouillir. Oui, mais c'est parce que j'aime mieux l'avoir à vapeur. Ça fait moins d'eau parce que sinon, il est liquide. Oui. Donc là, il n'y a plus d'eau dedans. Et il est chaud. Donc, on va le mettre ici. On dépose ça. Là, on le fait keto. Et les gens vont peut-être être choqués. Ils vont tilter. OK. C'est du fromage Philadelphia. Combien? Normalement, on mettrait la brique au complet. Mais pour ne pas vous choquer, on va en mettre la moitié. L'autre fois, je l'ai fait avec la moitié, j'ai trouvé que c'était bon. Et si c'est pas assez fort... Mais on peut ajuster. Oui. Là, le but, c'est... on va rajouter aussi du beurre. Et c'est la recette keto de purée de chou-fleur. Et j'utilise ça pour remplacer les patates dans un pâté chinois. Voilà. On a du budget côté salière. Oh, hein? Ça, c'est beaucoup, ça. Oui, c'est beaucoup. J'étais dans une émission de télévision cet hiver,
Puis il y a un gars qui avait dit à Camille, tosse-toi. T'es pas assez fort. C'est pas important, c'est pas important. Non, non. Camille. Camille avait tilté bien raide. Et là, ce qu'on va mettre aussi, on va mettre du ghee. Donc, c'est du beurre clarifié. J'aurais pu mettre du beurre normal. Là. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on met normalement, c'est qu'on n'en a pas. Donc là, on va mettre. Faut en mettre en masse, là. Tiens. Voilà. Voilà. On va en mettre peut-être un petit peu plus de fromage à la crème. Puis c'est liquide, hein? Oups. Il manquerait du poivre, puis il va manquer l'ail noir. On va terminer avec l'ail noir après qu'on va assaisonner. On va vous le dire combien que ça en prend à peu près. Et ça, ça fait aimer le chou-fleur, parce que c'est un légume mal aimé. Hein? Toutes les fois qu'on en fait cuire, tout le monde dit que ça pue. Ah oh ouais, mais c'est bon. C'est tellement réconfortant, le chou-fleur. Mais surtout comme lui, là. On va y goûter tranquillement. Après ça, on va le rectifier. Ça ressemble à quoi? Hum! C'est bon? Ah, oh, c'est vraiment déjà très, 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 très bon. Tu ne rajouterais pas là, de Philadelphia ou on beurre, pourrait, parce que... mais... Les enfants vont aimer. Ça, c'est certain. Ça fait longtemps que je fais cette recette-là. Même les gens qui ne sont pas keto, vous pouvez faire cette recette-là. Là. Oh oui. Et l'ennemi à tuer, c'est pas le gras, c'est le sucre, de toute façon. Tu donnes un petit coup. Tu veux montrer tes bras, hein? Non, non, non. Ah! Mais juste pour le ramener, parce que j'ai un Thermomix, il est en campagne. Et approche-toi, Marilyn, on ne le voit pas. Mais je ne l'utilise plus, puis on m'a bien dit de ne pas faire des recettes avec un Thermomix, parce qu'après ça, personne ne pourrait le faire. Donc, okay. Parce que le Thermomix, ça donne une très, très belle purée. Mais mettons, les gens à la maison, s'ils veulent que ça soit très lisse, ils pourraient finir à la mixette. Oui, 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 oui. Ben ça, c'est bon. À la girafe. Là, on va rajouter, tu veux goûter? Oui, sûr. Tiens. C'est déjà bon, mais là, on va lui donner une twist à la vitrine c'est québécoise. Déjà mal la vie. Donc, je vais mettre à peu près une cuillère. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va goûter un petit peu l'ail, mais en même temps, vous allez vous... Bien, rechercher les propriétés. Moi, je ne veux pas parler de propriétés, parce que je ne suis pas un médecin. Mais... un peu, reviens dans la caméra. Parce qu'elle a peur que je la splash. Ça revole un petit peu. C'est sûr que côté présentation, couleur, ouais, t'sais. C'est un peu. Voilà. On goûte? Ben oui. Oh, là, il y en avait pas mal ici. Là. On va se calmer. Il y avait une petite. C'est tellement bon. C'est vraiment bon, hein? Puis, regarde, j'ai mis juste une cuillère. C'est vraiment au goût, on pourrait en mettre plus. Le goût est déjà là, on va en rajouter un peu plus. C'est vraiment bon. Comme ça? Oh oui. Des fois, si vous faites un genre de vin fromage, là, en plus des petits confits qu'on rajoute par-dessus les pâtés de campagne et tout ça. Purée d'ail noir par-dessus, un craquelin. C'est délicieux. C'est bon en plein affaire. C'est parfait. Puis même quand je fais ça avec mon gars, Alexis, il me dit tout le temps... Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Pourquoi c'est bon? Je sais pourquoi. C'est bon. Pauvre Alexis. Regardez, c'est simple. Hein? Le chou-fleur, j'ai fait de vapeur pendant 30 minutes. Et... Quand même. Hein? Ah, peut-être pas 20 minutes. Le temps que ce soit bien mou. Là. Ouais. Le temps que ce soit bien, bien mou. Ouais, ça fait 20 minutes. Ben 12 dans le fond. Peut-être que tu peux me l'enlever d'en face parce que. Oui, mais c'est bon. On a fait du double dipping, mais on s'entend qu'on s'en va pas dans. Servir ça au restaurant. J'ai pas pensé, désolé. On est comme en famille, hein?
C'est vraiment bon. C'est très bon. Les possibilités sont infinies avec ouais. ça. Il y a beaucoup d'idées de recettes. Bon, c'est pas beau, là. Bon appétit. Ouais, mais tu sais, un coup bien déposé dans l'assiette avec une belle pièce de viande par-dessus ou ben, un poisson si vous êtes plus. Ben, j'accompagnerais plus ça, ouais, définitivement avec un steak ou une escalope de veau. Une escalope de porc. De porc. Oh, ben oui, hein. Ben oui. Je te vois venir. Je suis en train de pratiquer ça. Peut-être, ça va être une des prochaines recettes. Hey, merci beaucoup. Merci. C'est fait. Une autre belle recette, facile à faire, ouais. avec un autre ingrédient. L'ingrédient vedette aujourd'hui, c'est la purée d'ail noir, qui est très simple à utiliser, qui est bon pour la santé et qui a été découvert en 1999. Qui parmi vous se souvient d'un aliment qui a été découvert? Hein? On ne connaît pas ça. Non. On pense que tout a été inventé. Non, non. La purée d'ail noir a été découverte en 1999 au Japon. Et sais-tu combien un bulbe comme ça se vend en France? Non. 6 euros. C'est en dollars canadiens, ça fait? C'est à peu près 10 piastres chaque. OK. Oui, chaque bulbe. Ah! Oh, ben, c'est 3 semaines de travail, hein? Fait que, voilà. Si on en vend, le sac qu'on vend, il y a 3 bulbes d'ail dedans, je crois. Je pense que c'est ça, oui. Puis, mais je me souviens plus à combien qu'il est, là. On va mettre le lien. On va mettre le lien. Hey, merci! Bye! Bye.